Thierry Henry est maintenant avec nous. On a une première question. Frédéric Gay, TVA Sport. Frédéric, est-ce que tu es là? Oui, m'entendez-vous? Oui, très bien. Parfait. Alors, bonjour Thierry. Au dernier match, évidemment, ça a été compliqué. Là, on est plusieurs là, à penser que le match de demain est ultra important pour la suite des choses. Est-ce que c'est votre impression et sur quoi vous devez travailler pour s'assurer d'aller chercher les points là, compte tenu du dernier match? Ouais. Tous les matchs sont importants. Le match contre Miami est important. Le match avant Miami était important aussi contre New England. Si tu gagnes contre New England et tu bats Miami et tu avais gagné, tu étais beaucoup mieux. Donc tous les matchs, c'est toujours le match qui arrive après qui est important. Surtout quand il en reste moins. Donc voilà, là, en l'occurrence, on va jouer contre une équipe qui est athlétique, agressive, dans les bons, agressive, ouais, dans le bon sens du terme. Ils sont très bons sur coup de pied arrêté, longue touche, ball into the channel, balle directement sur les deux attaquants. Chose que on n'aime pas trop. À chaque fois qu'on a joué contre une équipe comme ça, on n'a pas été très bon. Donc voilà, le challenge, il est là. Une équipe qui difficile à presser parce qu'elle saute les lignes. Donc voilà, il va falloir être bon dans les duels. Chose qu'à un moment donné, là, on ne rentre plus dans la tactique. Quand un ballon est là en l'air, il faut le gagner. Donc voilà, on va essayer de travailler là-dessus. C'est une équipe qui est très, très, très bonne. À faire ça. Ils savent aussi jouer au ballon, attention, mais c'est une équipe qui est peut-être un peu plus directe que New York City FC, avec des joueurs qui ont de l'expérience dans cette ligue, avec un joueur comme Léal qui peut faire la différence aussi quand il a la balle au pied. Donc voilà, pas évident, des joueurs directs, puissants, physiques, un bon coach aussi. Voilà, on va se retrouver contre une équipe vraiment redoutable sur ce genre de situation. Donc à nous de gérer ça. Jérémy, 98,5. Merci, Pat. Bonjour, Thierry. Bonjour. Bonjour. Écoute, j'ai pris le temps de repérer un peu là, les matchs que vous avez joués depuis le début de la saison dans les deux types de formations différentes. Dans le 5-3-2, l'affiche n'est pas très bonne. Deux victoires, huit défaites, quatre matchs nuls, un différentiel de moins 10. Dans le 4-2-3-1, c'est cinq victoires, cinq défaites, différentiel de moins 1. Allez, combien de fois on a joué en 5-3-2? Je ne comprends pas. Ben, 5-3-2, dépendant de comment vous le voyez, bien sûr, on a déjà parlé de tout cela, on Oui. ne reviendra pas là-dessus, mais la On formation a joué qui comment montre. Je voudrais juste finir ma question rapidement. le dernier match? Pardon? Le dernier match, on a joué comment? Pour moi, c'est en 5-3-2 avec 5 Non, c'était pas, défenseurs, bah, 10, c'était 5 pas un défenseurs. 5-3-2. C'était pas un 5-3-2. C'était Bon, un écoute. 4-4-1. Bon. 5-4-1. 5-box-1. OK. Donc, Non, mais 5, une formation à 5 défenseurs versus oui, une formation à 4 donc, Jérémy, défenseurs. reste sur le débat de 5 derrière, il n'y a pas de problème. Mais si tu OK. prends 5-3-2, on n'a pas joué en 5-3-2. Et comme Parfait. on n'a pas joué en 5-3-2, ou tu crois qu'on a joué en 5-3-2? 5 défenseurs, je peux comprendre. OK, c'est bon, parfait, on s'entend là-dessus. C'est bien. Maintenant que vous avez plus de joueurs à votre disposition, plus d'options, on a vu sur le banc dans le dernier match qu'il y avait des éléments là pour faire quelque chose. Est-ce que vous avez tendance plus à porter vers le 4-2-3-1 pour le reste de la saison? Non, pas du tout. Philly, contre pas mal d'équipes, contre notamment New York City, si tu regardes le match, hein, j'espère que tu l'as bien regardé, on les a bien empêchés de sortir la balle de derrière parce que nos latéraux étaient hauts. Donc tu te retrouvais dans un 3-6-1. Si tu regardes bien le match à chaque fois, ils n'ont pas souvent sorti la balle. Malheureusement, on a fait une erreur qui nous a coûté très cher. Là, on a géré des matchs où on a joué en 4-3-1-2. Tout dépend de la formation, tout dépend comment ils jouent, comment ils aiment sortir la balle de derrière. Donc, de temps en temps, tu essayes de bloquer la sortie d'une équipe, comme New York City qui aime bien utiliser leurs latéraux. Donc, quand tu joues avec 5 derrière, je vous ai déjà expliqué 10 000 fois que c'est pour avoir une défense à 3 et avoir plus de monde au milieu et aller presser beaucoup plus haut, donc pas défendre. Chose qu'on a fait et gêner Philly à Philly, gêner New York City, gêner Columbus. Plein de fois. Après, si tu ne mets pas les balles au fond, ça c'est un autre débat aussi. Mais voilà, donc tout dépend contre qui tu joues. Ça n'a rien à voir avec 5 ou 4. J'essaie de m'adapter à comment on peut empêcher une équipe de sortir la balle. Et quand tu regardes bien, les équipes, elles ont du mal à sortir la balle contre nous. On fait des erreurs. Ça, je le répète et je ne m'en cache pas. Ça arrive. Pas facile à coacher. On essaie de travailler. On essaie de mettre les mecs dans les meilleures dispositions. Mais quand tu regarderas les matchs, au lieu de regarder les points, regarde comment on empêche les équipes de sortir, qu'on soit à 5 ou à 4. Les équipes qui aiment jouer au ballon ont du mal à bien jouer contre nous.
notamment Philadelphie, une équipe qui sort la balle en général très bien, qui joue très bien avec leurs diamants. Quand on est parti les presser haut avec nos latéraux, qui se retrouvent carrément, je dirais, en position déliée. Quand tu regardes même au niveau du pressing, ils n'arrivent pas à sortir la balle. Donc, sur ça, je pense qu'on arrive à faire du mal à pas mal d'équipes. Après, oui, il faut mettre la balle au fond. Et oui, un match se gagne dans les deux surfaces. Donc, ça veut dire qu'il faut être efficace dans ta surface et dans la leur. Et en ce moment, on est un peu moins bon dans ce genre de situation. Quand tu regardes le but, et il n'y a qu'à dégager la balle, non pas essayer de l'arrêter et repartir avec le premier but qu'on prend. Donc, ça n'a rien à voir avec jouer avec 5 derrière ou 4 derrière ça. Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'on a bien empêché New York City de sortir la balle, une équipe qui la sort toujours bien. Prochaine question, Nicolas Landry, RDS. Bonjour Thierry, vous avez fait une belle description de Nashville en réponse à Frédéric un peu plus tôt. Je me demandais, du côté défensif, qu'est-ce que... Oui. Pardon, vous m'entendez bien? Je disais oui, j'aime le foot, donc analyser, oui, je regarde les équipes en général et je regarde les formations et j'arrive à voir la formation dans laquelle une équipe joue en général. Super. Défensivement, c'est une équipe qui a accordé 18 buts en 19 matchs cette saison. Quand vous regardez sur vidéo, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qui vous saute aux yeux? Qu'est-ce qui font leur succès? Une équipe old school, pour moi. Old school Premier League, old school Championship. Tight back four. Ils ont été aussi pas mal de matchs, si vous l'avez vu aussi, ils ont joué avec un back five pour déranger les équipes qui ont des ailiers hauts ou qui font monter leur arrière latéraux haut. Mais c'est rigide, c'est dur au mal. Moins d'erreurs, bien sûr, si tu sautes les lignes. Mais chacun a sa philosophie que je respecte. On les a joués en pré-saison, ça a été vraiment difficile. Un combat derrière, devant, au milieu. Ils ont marqué sur corner. Donc, on sait très bien ce qui nous attend. Et puis, ce n'est pas toujours évident de rentrer dans ces championnats, dans cette ligue. Et ils ont réussi à faire quelque chose de bien depuis le début de la saison avec leurs problèmes aussi au MLS is back. Ils ont dû lutter, se battre. Donc, je tire un grand coup de chapeau à leur coach et ce qu'il arrive à faire. Vraiment extraordinaire. Donc voilà. Mais on sait très bien, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. C'est une équipe qui est assez directe. Ils savent jouer aussi, attention au ballon. N'importe quelle action offensive, notamment les touches, les corners, les coups francs. Quand Zimmermann y monte, j'ai l'impression qu'il sait que la balle va être pour lui. Il attire les ballons, les coups de tête qu'il met, les buts qu'il met, les problèmes qu'il pose sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, on sait très bien à quoi s'attendre. Maintenant, à nous, comme je disais tout à l'heure, à la première question que j'ai eue, il va falloir s'adapter. Donc voilà. In English now, Paul Vince. Thanks, Pat. Hi, Thierry. Apologies if you've taken this in a similar question in French already, but given the continuation of soft defensive errors and the availability or reavailability of your captain, are we likely to see some changes in your back line tomorrow evening? Well, it depends, yeah, for sure. But it depends, like again, I think the game depends also on who you're playing against. Sometimes if you play against a team that play with one holding midfielder and they like to go through him, then you don't need so much guys up front to put pressure. When you play with two holding midfielder, then you need an extra guy to go and put pressure because if not, they have an extra man to bring the ball up. So it depends also. You need to adjust to who you're playing against. I know you guys think that you play alone on one side and the tactic is based on yourself. You can only base the tactic on yourself if you have 80% possession and you're that team and you're dominating leagues. Other than that, if you're not that team, you have to see what the opponent is doing if you don't have the ball most of the time. The best way to defend is to have the ball. The best way to recover is to have the ball. If you don't have it, you need to make sure you can get it back. And you have different ways. Teams sometimes play long. Teams sometimes play the second ball. So if you play a team that plays the second ball, you're going to have to protect the back four or five. If you play a team that use, their fullback a bit more, you're going to need to press them really high. So you have a back five. So you send your center, your fullback or wing back, shall I say, straight away up. This is the type of discussion I like, Paul. This is a good question. But you need to try to find a way to adapt to what's on the other side. That's what we're trying to do all the time. Now, if you're a team like Toronto and you have the ball most of the time, you know what happens is the other team adapts to you because you are always in possession and then you need to deal with the counter. But it's a different ball game. We're not there yet. We're trying to be that type of team with the right balance, obviously.
But yeah, obviously I talked before in French, it's going to be very difficult against Nashville because they impose that battle with you. They can play also too, don't get me wrong, but you know, they have guys that are physical, quick, and aggressive in the right way, in the right manner. And, you know, I have a lot of respect because it's a new franchise and they had to deal with a lot of stuff during the MLS is back, and they're more than surviving. Herb Zirkowski. Thanks, Pat. Good afternoon, Thierry. As always, thanks for your time. Oh, thank you. I appreciate it. Every manager obviously believes in his club, and I'm sure you're no different. At the same time, I think off the top of my head, the team has 2 wins and a draw in its last 10 games. I realize a lot of this has to do with the circumstances, the conditions, the injuries. But at what point, with only 3 games remaining, do you start to get concerned that maybe this just won't work out? Herb, if you look at everybody apart from Philly, Toronto, New England recently that lost, but from that, if I'm a Columbus, sorry, I think I said it already. If you look at the other teams from that, we have like almost 7 to 8 teams in 5 points. So basically the run is the same for everybody, almost. So we're all trying to adjust and trying to follow the path of the team at the top. All of us, not only us. When you look at it well, the last result for a lot of teams were not that great in terms of runs. So we are where we are because we deserve to be where we are. The team behind are behind because they deserve to be in the front. Also, you concentrate always on the next game. There's not such a thing as thinking that is done or not done, by the way, until the ref blows the whistle. That's how it is. The other day, you guys were asking me the same question. It's a must win against Miami, and it was a must win. I thought it was a must win against New England also. I thought it was a must win in Columbus, like it is all the time, or a must win before, or whatever, because you play to win games, not to lose them, right? So it's going to be a must win against Nashville. And if you don't win, it's going to be a must win against Orlando. And if you don't, it will be a must win against DC. It depends how it goes with those other results. But you have 8 teams in the same on the same boat as us. So we're going to try to make sure that we stay on it. Gemma now, Canadian Press. Hi there. So with 3 games left on the season, is there some sort of message that you've got for your team to keep them focused and keep them motivated through what's obviously been such a difficult season? Something, you know, the aim is to make the playoffs. But like I just said before, you have like 7 to 8 teams that are in that bracket. 9 points to play. Obviously, you know, if you in the position that we are, we get the 9 points, we go in, and then it depends on what happens after. But that's the aim. Trying to make the playoff and concentrate on what's next. What's next? Nashville, a good team at what they do. Very aggressive. Difficult to break them down. They don't concede a lot. So, yeah, that's basically the message. We have to make the playoffs, obviously. On prend 2 dernières en français, Dave, puis ensuite Olivier. Dave, à toi. Bonjour Thierry. Pas nécessairement une question, plutôt une précision. Est-ce que Clément a complété sa période de confinement? Est-ce qu'il peut être de retour avec le groupe et pourrait potentiellement être le gardien titulaire demain? Il sera de retour avec le groupe, oui. Après, on verra ce qu'on va décider. Mais il sera de retour avec le groupe, oui. Olivier Brett. Justement, Thierry, c'est pour faire du pouce sur la question de Dave. Je voulais savoir comment la dynamique entre les gardiens a changé. Au début de la saison, il n'y avait pas de numéro 1 attitré avant que la campagne commence. À court, moyen terme, est-ce qu'il y a une hiérarchie peut-être un peu plus établie depuis le départ de Evan avec Clément numéro 1 et James numéro 2, ou est-ce que le poste de numéro 1 est toujours à prendre en fonction des performances? C'est des discussions que j'ai avec Rémi Vercoux. Rémi a une vision des gardiens. Quand tu es coach, il faut aussi déléguer. Gardien, c'est un poste à part. Avant l'entraînement, ils sont souvent ensemble. Je sais que vous ne voyez pas. Ils sont souvent ensemble à s'entraîner. Et c'est là que Rémi aussi juge un peu ce qui se passe, notamment aussi en match, bien sûr, attention. Donc voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, on verra bien ce qu'on va décider. Mais je m'appuie énormément sur Rémi aussi. Ça fait partie de son travail. Merci beaucoup, Thierry. Merci. Alors, on devait s'arrêter ici avec Thierry cet après-midi. Je vous rappelle que Louis Binks
sera avec nous sur cette conférence vidéo très bientôt. Louis Binks will be with us this afternoon.
Hi, Louis. Hi. Do we have questions? Yes, Jeremy Filosan, 98.5 to start. Yes, hi, Louis. Thanks for taking the time today. Before talking about tomorrow's game, we really didn't get a chance to broach the subject last week. We found out just a few hours before the game that there was a COVID case on NYCFC. I just wanted to know how the team reacted, players, coaches, when you found out about the news, and what were your, did you have any apprehensions about playing the game? What was said in the dressing room, and how was it decided that the game would go on? Thanks. Yeah, we found out about probably about lunchtime that day, but it was literally just a text telling us that NYC had had a positive case. There was, we were just getting told that they were seeing whether the rest of their team were getting retested to see if there was any more cases, and if not, the game was going to go ahead. But no, nothing was said in the changing room. None of the players really spoke about it. It was literally just one text telling us what was going on, and yeah, that was that. Paul Vince. Thanks, Patrick. Hi, hi, Louis. How are you? We hope not, but you may only have three games left with Montreal Impact. At the end of this MLS season, are you expecting to head off to Italy, where they'll be a third way through their season? And is there a chance that you return to Montreal on loan in 2021? And how would you feel about that prospect? Yeah, I haven't spoke to anyone about it. I haven't spoke to the club. I haven't spoke to Bologna. I spoke to no one. So I'm literally just focused on the next three games and then the playoffs. Hopefully we can get there. And yeah, no, nothing's been said about my future. But yeah, I don't know whether I'll come back. I don't know whether I'll go there. I don't know nothing. I just know that I'm here till the end of the season and I've got to play well until then. Greg Ills from Nashville. No. Yeah, I wanted to ask you, obviously, with Montreal and Nashville back-to-back in the standings, and so this has, you know, huge playoff implications, right? But also, you know, Montreal only having 2 days rest, with those in mind, with those factors in mind, I mean, what's the approach here mentally and even tactically for Montreal? Yeah, I think it's no different to what we've been doing for a few weeks now, where there's games coming thick and fast, so we've had enough time to know how to deal with one game after another. So we're going to prepare in the same way that we've done the whole time that we've been in New York. And yeah, hopefully the tactics, I don't know, that's down to the manager. But yeah, hopefully we get the win because yeah, we need the win in this playoff race. Charles, MLSsoccer.com. Hey, thanks for your time today. I was wondering if you, I know the season isn't over yet, but you're getting into the final stages and it's a bit of a rebuilding process. How do you judge the progress that the group has made? And I know that can be hard with the standings being different this year and the playoff format and everything. And how would you say the process of learning from your coach has gone and sort of the attempt to get the club headed in the right direction? Yeah, I think us as a team, we've improved dramatically since the first day that I come in. When I joined the team in pre-season, we didn't really have an identity. We could see that we knew how we wanted to play, but not all of us fitted that style yet. But I think now we've got a clear understanding of how the manager wants to play, how the staff want us to play. And now it's about getting results because we all know what's required of us, but we're not taking our chances at one end. And me especially, we're not keeping enough clean sheets and we're giving our goalie too much to do. So yeah, hopefully if we can sort them two things out, our identity will be there. Herb from the Gazette. Thanks, Pat. Hey, Louis, thanks for your time. Just continuing on that vein, as a defensive unit in general, yeah. When you keep seeing these general mistakes being made, like the other night, when the team's playing so well, when it could have been ahead, and then like the game turns on a dime because of one guy's mistake. How do you, as part of that unit, what are you guys saying to each other? How are you keeping your composure and not losing confidence in each other? Yeah, I think
me especially, there's been times that I've made mistakes and others have made mistakes, and it's not, as a defender, that's the life of a defender. You make a mistake, it almost ends up in a goal. So you see the mistakes that we make as a back four, but I think there's mistakes that come before that. Maybe I could have prevented the cross, someone else could have kept the ball. So although you see the final mistake, there's a lot more leading up to it. But yeah, it's hard because, like you say, the goal's never, I don't know, someone shoots from 50 yards, it goes top corner, or someone takes, it's a good passing move. They're always goals that we can prevent. So it is frustrating, but like I say, we've just got to keep doing what we're doing in training, and hopefully as time goes on, we'll develop a more togetherness as a back four, and these mistakes won't keep happening because they can't keep happening. Nicolas Landry, RDS. Hey, Louis. Just now, Thierry was very praiseful of the Nashville squad you guys are getting ready to face tomorrow. When you look at the film, what are the qualities you see in them offensively? I think they're very good. Very good from set pieces. They've got a big side who like to, when they get a set piece, they believe they can go and score. And I think on the flip side of that, that's something we've got to put into our like mentality as a squad. I think going up for a set piece, we haven't scored from one for a while. So we don't go up there believing, maybe, I don't know, but they definitely go up there believing they can score. And yeah, they're very, very good at, like I say, set pieces, crossing the ball, but they're first and foremost, they're a team, they're together. So yeah, it'll be a hard game, but yeah, it's one that we can win. I think we have one last from Olivier Brett. Yeah, thanks a million. Thanks for taking the time, Louis. For you personally, it's been a year of firsts, many firsts between moving abroad, playing at senior level, the number of matches you've played with a first team. On a personal level, be it on or off the pitch, what's been your biggest learning? There's been a lot. I don't think that I can pinpoint it. Like you say, moving away, then obviously Corona or whatever happens, so you have to deal with things on your own, train on your own, then making mistakes. I think that's probably been the biggest thing because, like you say, it's my first year in senior football, so I am going to make mistakes because it's new to me. But I think that once I make them mistakes, I can't keep repeating the mistakes because once is enough, and then once I've done it, I've got to learn from it. Like one that sticks in mind is the goal against Columbus. Bad clearance from me. I've watched it. I've tried working on it, and then again, that won't happen. So yeah, one of my biggest learning curves has been once I make a mistake, learn from it, but don't let it happen again. There's no more question. Thank you for your time, Louis. Thank you. Thank you. Have a great game tomorrow. D'ailleurs, le match contre Nashville, c'est ça. C'est demain soir, 19h. The upcoming game is tomorrow night, 7 p.m. against Nashville. Merci tout le monde. Bon après-midi.